Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique sur l'actualité de l'Assemblée. Et cette semaine, on examine la réforme de la santé voulue par Agnès Buzyn. Donc c'est une grosse réforme du système de santé qui vise à donner accès à toutes et à tous, à des soignants et à lutter, on va dire, contre les déserts médicaux. Dans les faits, est-ce que cette promesse s'est tenue? C'est ce que je vais essayer d'examiner aujourd'hui. Il y a deux arguments principaux qui nous font craindre le pire pour cette réforme. D'une part, le premier, c'est le fait que ça privatise la santé, comme ils le font avec d'autres choses. Ils appliquent leur logique libérale et financière à la santé. Et la deuxième crainte, la deuxième dérive, c'est le fait que ce projet de loi contient des choses sur les données de santé et le fait qu'elles seront désormais une marchandise comme une autre. Le premier point, c'est donc la privatisation de la santé avec cette loi. Grosso modo, elle met à mal la santé publique en portant une attaque assez forte aux hôpitaux publics et elle crée une logique financière qui fait que effectivement tout le monde en théorie pourra avoir accès à des professionnels du soin, mais plutôt à des professionnels du monde libéral et donc qui peuvent pratiquer possiblement des dépassements d'honoraires et donc la santé sera conditionnée par les moyens financiers des personnes, ce qui font que, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va accentuer cette logique, certaines personnes qui n'en ont pas les moyens vont renoncer à pratiquer certains soins dont ils auraient pourtant besoin. Cette loi, elle va créer des regroupements de professionnels de la santé qui vont pouvoir être des regroupements des structures physiques en fait, comme des maisons de santé qui regroupent différents spécialistes, mais aussi des plateformes, donc des regroupements virtuels de professionnels de la santé qui seront chargés de répondre aux besoins de santé des personnes qui habitent sur certains territoires et sur la majorité des territoires. Le problème, c'est que ces maisons de santé, elles ont vocation, en gros, à remplacer le recours aux urgences et à pouvoir pratiquer différents soins pour permettre de désengorger les urgences et de moins faire recours à l'hôpital public. Déjà, c'est plutôt aller vers une santé libérale que vers l'hôpital public comme modèle pour toutes et tous. Et donc, évidemment, la logique financière dont je vous parlais juste avant, elle est aussi à l'œuvre puisque c'est des professionnels qui peuvent fixer leurs honoraires comme ils le veulent. Ensuite, en plus de cette logique d'affaiblissement du recours à l'hôpital public, c'est aussi une loi qui va déshumaniser encore plus la santé. C'est-à-dire que les macronistes ont prévu dans cette réforme d'augmenter ce qu'ils appellent la e-santé. Et donc la e-santé, c'est la santé virtuelle, on va dire. C'est le recours au numérique pour la santé, ce qui est une logique qui nous semble ne pas aller de soi. Par exemple, ils prévoient de faire des e-prescription, c'est-à-dire que des professionnels pourront par une plateforme faire les prescriptions de traitement aux personnes qui en ont besoin. Malheureusement, c'est un contenu de la loi qui va être précisé par ordonnance, donc une fois de plus, c'est relativement flou et on peut craindre que ça mène à des situations problématiques. La e-santé, ce sera aussi le télésoin, qui, à l'inverse de la télémédecine, sera réalisé donc virtuellement par des professionnels de la santé qui ne sont pas des médecins. Mais par exemple, avec le télésoin, vous pourrez faire une séance d'orthophonie à distance devant un écran. Donc c'est pour nous aller à l'inverse de ce que doit être la médecine, c'est-à-dire un moment humain aussi, puisqu'on sait que lors d'une consultation, il y a des choses qui peuvent être évoquées, qui tiennent au parcours de santé de la personne, mais qui peuvent aussi permettre de l'orienter vers différentes formes d'aide et de soins que ne permettra pas une consultation derrière un écran à distance. Donc ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler, c'est la fin de la santé publique, en tout cas le grignotage de cette santé publique par cette réforme, et puis sa déshumanisation, la déshumanisation de la santé. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est la problématique des données de santé, qui est vraiment accentuée par cette loi. Les données de santé, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est tous les renseignements sur votre parcours de santé, c'est-à-dire les maladies que vous avez pu avoir, les opérations que vous avez pu subir, les traitements que vous avez suivis, etc. Et en France, la particularité de notre système de santé, c'est qu'on a la sécurité sociale qui regroupe de manière très centralisée et très suivie toutes ces données de santé. Ça peut être plutôt vertueux, c'est-à-dire qu'avoir les données de santé sur la population française, ça peut permettre de mieux connaître certaines maladies, avec la récurrence, dans quels endroits elles émergent, etc. Donc trouver des traitements plus adaptés. Ça peut être vertueux aussi parce qu'il y a certains scandales sanitaires qui ont pu être repérés par cette accumulation des données de santé. Donc elles ont un rôle extrêmement important.
Le problème, c'est que cette loi, en plus de donner accès à ces données de santé à la recherche et aux instituts publics, elle va aussi faciliter leur appropriation par les industriels et par le secteur privé une fois de plus. Donc en gros, les macronistes prévoient que le secteur privé, je vais vous donner deux exemples, va pouvoir avoir toutes les données de santé sur certains territoires par exemple, ou de la population dans son ensemble. Les deux exemples que je voulais vous donner, c'est d'une part les assurances. C'est déjà le cas en Allemagne, mais les assureurs pourront éventuellement ajuster leurs tarifs à une certaine population en fonction des données de santé qu'elles auraient achetées. Une autre dérive, c'est évidemment pour les laboratoires pharmaceutiques qui, en ayant accès aux données de santé, vont d'une part pouvoir faire des économies substantielles sur la recherche et développement en matière de médicaments et d'autre part cibler en fait certains marchés qu'ils estimeraient plus lucratifs dans les années à venir, toujours sur la base de ces données-là. Et évidemment, ça se ferait au détriment de la recherche sur d'autres maladies qui touchent peut-être moins de monde ou seraient moins rentables en termes de vente de médicaments, mais qui seraient évidemment tout aussi utiles. Voilà, donc c'est une réforme problématique sur différents aspects. Nos députés vont se mobiliser dans l'hémicycle, c'est toute la semaine, ça a commencé lundi et ça se terminera en fin de semaine. C'est la première lecture, donc on va voir quels angles prennent les discussions. En tout cas, nos députés sont présents, actifs, Caroline Fiat notamment est très mobilisée sur la question. Je vous laisse pour cet édito, moi je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner à la page de Canal Fi pour voir les autres éditos politiques de la semaine.